Hola, amis Pamio, à cause et agronome Maxime France. Je viens parler avec vous des secteurs agricoles, particulièrement l'élevage. Ça a pile l'année, on continue à négliger. Et en temps, l'élevage a nous trouvé l'élevage cochon qui c'est pour ses cultures. Donc, pour ce qu'il tue à vos paysans, et le thème pour ce qu'il tue à, mais l'aime dit pour ce qu'il tue à pour les étudiants de l'université, des Damiens, de l'UPH, étudiants de l'Imbé, dans le département du Nord, je déjà connais de qui ça m'a parlé. Donc, élevage cochon, son secteur économique qui est vraiment fort, à travers le monde, l'aime dit vraiment fort, donc, il génère un peu de travail. Et qui permettent à ce que l'individu travaille à capter des besoins de base, des besoins indispensables. Donc nous finissons par comprendre son secteur en Haïti. Ça fait belle lurette, son secteur en Haïti. Nous n'avons jamais méprisé par faute. Je ne dis pas faute de connaissance, par ignorance, nous méprisons l'empire, malgré le gain potentiel. Ça. Donc, dans le canal YouTube, ça, ensemble avec moi, nous allons essayer de regarder bénéfices. C'est ça que le canal a relé. Devenir porciculteur en 2020. Donc, je vais parler de 2020. Donc, je vais parler de aller chercher cochon dans le kin dans le sac. Aller chercher manger cochon dans le kin dans le sac. Pour ne pas cochon manger. Donc, je vais parler d'un système qui est mécanisé, qui est industrialisé, qui est moderne tout. Là, je vais parler, nous allons parler. Les gestations, les différentes phases, toutes phases qu'on a retrouvées dans la gestation. Maternité. Ah, gros thème, non, elle dit maternité. Donc, il y a un qui dit, oh, il existe maternité dans la production cochon. Ce n'est pas celle dans la production cochon. Il existe maternité. Même j'entends la caille Mountou, fille enceinte, pour parler de maternité, parce que dans la fin période gestation, il faut le bon côté pour l'alphabétique. Il va pas faire n'importe côté. Et mais c'est de même pour la caille animale et tout. Donc, il va pas faire petit plan n'importe côté. C'est ça que fait nous parler de maternité. Un système qui est bien organisé pour permettre pour recevoir cochette là ou bien truia, elle me dit cochette là, ça veut dire jeune petit cochon pour cochon fait petit déjà, qui peut déjà bien fait mi-bas déjà et puis truia c'est ça qui fait déjà. Faut qu'on côté recevoir. Donc nous parlons parler des engraissements qui c'est pilier qui peut permettre ou générer venture, nous pouvons parler des différentes phases de l'engraissement, phase 1, phase 2, phase 3. Et nous pouvons parler des phases de sélection, tout, qui c'est phase de reproduction. Donc, phase à l'arrivée à la donne, c'est là où choisir ou sélectionner nouvelles meilleures. Nous pouvons parler de tout. Nous connaissons un système en Haïti qui n'a jamais pris. À tel titre, cochon, il y a lié à tout des tabous. Yo compare la moun qui mange en pile, yo compare la moun qui salope en pile. Les religions bal pas. C'est pas de ça que je viens parler là. Je viens parler les effets économiques du travail. C'est de ça que nous viens parler. On quitte trop ignorance de côté. Parce qu'il fait nous en pile, il fait nous en pile tort. Contrairement à l'autre pays. Par exemple, on regarde, il y a une réponse à courir, mais on dit la Chine sont. Un gros potentiel économique mondial. Et mes bonnes informations qu'on pas connaître. La Chine, c'est le premier pays exportateur, premier pays producteur. En 2020, pendant la parole, c'est le pays qui produit plus de cochons dans le monde. Comme chiffre, chaque seconde, il y a 19 cochons en Chine, qui ont un total de 600 millions de cochons qui mourent chaque année. Pas oublier la Chine en Asie, elle est responsable pour l'alimenter. Donc, on met tabou de côté, on met médiocrité de côté des animaux là, parce qu'ils ont potentialité, pas oublier. Son animal qui est très prolifique, puisque tria ou bien cochette là, dans la période chaleur, qui c'est période d'ovulation, ovaire, il y a possibilité de libérer environ 10 à 25 ovules. Donc, insémination artificielle, m'pral parler de l'IA. Extraction sperme, m'pral parler de l'IA.
si ou mettez tout en application ou rivez fait tout jambou là, donc si vous essayez de détecter cochette ou bien truc qui en chalet, nous faisons insémination artificielle là, donc vous mettez tant après 3 mois, 3 semaines, 3 jours, pour avoir une possibilité pour recevoir environ 12 à 14 porcelets. L'homme dit porcelets, c'est petit cochon de zéro à date de ces voyages là. Donc, lire les porcelets. Après ça, après ces voyages, vous parlez de cochette, vous parlez de truies, etc. Donc, c'est de là que je parle. Je ne vais pas oublier l'agronome Emmanuel Chéri, agronome Tiwes dans la vie qu'il tue, dans Milo, qui a fait un gros travail. Bravo pour nous, monsieur. Pas oublier nous, monsieur. Et canal YouTube, ça, c'est ça qu'il faut avoir intérêt là-dedans. Ou avoir intérêt avant de quitter pour abonner avec. Côté fait, ou t'es dans le domaine poule, côté dans le domaine bœuf, côté dans le domaine, ou t'es dans le domaine cabri. Pour qui ça? Parce que il y a des points où arriver en dans l'élevage là qui connecte, ça veut dire qui connecté. Donc, là, je parle pas de nettoyage, je parle pas de application antibiotique, pas seulement. Donc, si on a poule là, on a bœuf là, des bagages où t'es méprisé pour permettre ou mettre en application. C'est ça que fait Mzou, pas oublier abonner. Devenir porciculteur en 2020. Et qu'on salue. Vous montez sur YouTube et puis ma parole sur vous ou abonnez. C'est de façon. L'aime faire. L'aime publier prochaine vidéo pour notification de nous. Que mon vidéo qui dure. Parce que nous pouvons parler de gestation. Nous pouvons parler des phases de gestation. Nous pouvons parler de maternité, phase et tout élément, tout médicament, tout antibiotique. Et je parle de mon secret ensemble avec moi, ou même qui était dans le domaine, qui était suspect ou de grand pile cochon qui a mouru, même si maman cochon fait 14 cochons, 18 cochons, après ça, on a mouru l'un après l'autre. Je parle de mon secret. Dans la prochaine vidéo, je parle de mon secret et nous allons l'appliquer ensemble au point de voir comment on arrive à bénéficier. Des bagailles qu'on partage, j'aime qu'on ait des bagailles, si vous avez besoin qu'on ait, il faut avoir le payon en cours. Dans l'école technique ou bien dans l'université. Là, je parle de gratis. Il suffit seulement. Là, à canal YouTube, là, ou pas le côté spécial, on monte sur Internet, là, côté capable son petit temps pour point connaissance, pour point bête. J'en ai dit ça dans mon créole. Je vais essayer de garder ensemble avec vous des photos. Là, on parle de une idée en réalité. Et vous pouvez comprendre l'élément, secteur et élevage là, particulièrement, dès ça n'a pas parlé d'élevage cochon. Vous parlez pour qu'il soit intérêt là-dedans, ou intérêt là-dedans, ou intérêt pour travailler là-dedans, pour produire bien, pour produire comme, parce qu'il y a comme là-dedans. Vous parlez de son bagage. Malgré son secteur, nous méprisons en Haïti. Je ne connais pas si ça a passé dans la zone côtière. Et on connaît quantité. Malgré tout, nous connaissons quantité de cochons qui en Haïti pas arriver à alimenter les gens. Mais il faut manger 20 cochons quand même. Ça va être étonnant, les gens ont besoin d'y aller dans la frontière et le point. Et son bagaille qui est vraiment dangereux à l'acheter on vient dans la frontière de la République Dominicaine. Parce que ce n'est pas un homme sanitaire pour venir dans la République Dominicaine. Puis vivre en Haïti, on vient à travers le monde là. Il y a un homme sanitaire là-dedans. Pour transporter, on vient de bon chiffre en information qu'on pas connaît, qui est important. Et qu'on victime de lui chaque jour. Pour transporter, on vient fort espace ou transporter, la machine ou transporter là. Folie qu'on température entre 0, hein? 0 à 4 degrés Celsius. Les gens qui ont lâché viennent dans la frontière. À combien de degrés viennent dans la République Dominicaine pour entrer à Haïti? 35, 40 degrés. Il y a une température vraiment énorme comme ça qui ça le produit. Il permet de couper la chaîne carbone qui retrouve, qui compose la viande. Et tout élément qui a carbone là-dedans, par faute de température, chaîne carbone coupé rapide, il tourne un élément toxique. L'emdou, élément toxique, dans bon creux, là, il tourne un poison. Avec des poisons, son bail qui cartio sur les champs. Là, il est toxique. Il cartio tout de façon étape par étape. Là, il toxine. Combien de fois, ou à la marche, ou à l'acheter viande.
ou elle vient dans plan dire là et ou elle font pile chalet mais acheter quand même mon pas de information ça me tout baoul vient dans pas même potentialité le gagner il pas même potentialité si tu retrouver non friseur non chambre froide de entre 0 à 4 degrés donc ou gagne intérêt comme il veut comme nèg cap travail dans cochon journée jodi pour point pour garder système dans l'autre forme puis c'est bien comme là combien on tête cochon vend en Haïti par contre prix en réalité il pas dépendre de kilo le pèse à tout mais ça vaut comme par quoi son bagage qui bat prix donc comme aliment pour alimenter son bagage qui génère pile bagage qui génère pile frais donc sous ta dépend son quantité dans aliment dans question main d'œuvre. Donc, si tu as possédé 100, bon, on fait logique avec. Si tu as possédé 100, 100 maman cochon. Tu possédé 100 maman cochon. 100 trouille. C'est ça que fait parler de l'insémination artificielle parce que dans l'insémination artificielle là, 100 maman cochon, 200 maman cochon, jusqu'à 1000 maman cochon, nous avons fait l'insémination artificielle là. Ça ne pas perdre du temps. Il a fait système pour bouc cochon et courir cochon monter sous petit cochon non on va montrer aux désavantages qui gagne là-dedans et avantage ou bénéficier là-dedans l'ont appliquer les gens jour d'insémination artificielle on va regarder l'ensemble pas oublier c'était agronome Maxime Fond abonnez à canal là parce que c'est pour lier partager by moun nous connecte dans domaine là. Et puis dis ou abonné. C'est de façon. Prochaine vidéo, on va le voir pour voir. On va le montrer comment sélectionner. Yon cochette, yon petit cochon qui n'a graissement. Comment sélectionner? Dans combien de jours sélectionner? Après combien de jours sélectionner pour faire venir tout nos mamans cochon? Pour faire insémination artificielle là. On va le voir vidéo côté montrer technique pour prendre sperme, pour retirer sperme. On va le montrer comment étudier. Je vais montrer à qui ça ou fait mélange là. Je vais montrer à qui ça ou fait insémination artificielle. Comment détecter tout ça yo? Ma bon vaccin pour bainan X période. Là on bay qui important. L'aime parler des vaccins. C'est là où parle la différence qui gagne entre un élevage moderne avec un élevage où moun fait non kay comme ça. Il possède 5 cochons, il n'est que seulement possède yon a 5 cochons, il n'est que seulement veye maman cochon fait petit puis veye un petit temps puis grand vendre dans vente. On va le montrer des avantages qui gagne là-dedans. On va le montrer différence entre deux systèmes ça yo. Et on va le montrer tout gon tabou yo te kondou, on va le faire sortir dans tête tout. Yo te kondou viande cochon même sous fruit. Les beaux vide coca la donne, mon verre qui sorti la donne, m'pral tout menti. Et m'pral rive non période avec ou, m'pral fort fait, et ou pas besoin de verre. C'est là où m'pral rive comprendre, cochon qui fait de façon, qui élevé de façon mécanisée, qui moderne, yo vraiment différent, puisque, vers ça, on va parler de l'IA, il y a un vaccin qui est approprié, qui est propre pour lui. Qui est dans telle date ou appliqué ou vacciner cochon et à telle période et si cochon la va le fait vers ça le pas posséder on va le dire qui vaccin lié on va le dire combien qui quantité ou supposé appliquer et dans qui période ou supposé appliquer on a regardé des illustrations avec moi c'était agronome Maxime Fond Jamdoula n'a pas encore semaine qui vient.